Dossier international: crash d'un Boeing de Lion Air en Indonésie. Un Boeing 737 MAX 8 de Lion Air reliant Jakarta à Pangkal Pinang, la plus grande ville de l'île indonésienne de Bangka, au large de Sumatra, s'est abîmé le 29 octobre 2018 en mer de Java. Les 188 personnes se trouvaient à bord de l'appareil ont été tuées. Il s'agit du plus meurtrier crash aérien dans l'histoire de l'Indonésie. 14h29 octobre 2018, le crash le plus meurtrier de l'histoire de l'Indonésie, ce que l'on sait sur Lion Air. Dernière mise à jour, 7h48 29.10 201 807 sur 48 29 10 2018. Aucun survivant dans le crash du Boeing en Indonésie avec 188 personnes à son bord. Aucune des 188 personnes à bord n'a survécu au crash du Boeing de la compagnie aérienne Lion Air au large de l'Indonésie, survenu alors qu'il effectuait une liaison entre Jakarta et l'île de Sumatra, a annoncé à Sputnik le porte-parole de l'agence indonésienne de recherche et de sauvetage Basarna. Crash d'un Boeing de Lion Air en Indonésie. Dernière mise à jour, 6h25 29.10 201 806 sur 25 29 10 2018. Crash d'un Boeing au large de l'Indonésie avec 188 personnes à bord. Photo, vidéo, un Boeing de la compagnie aérienne Lion Air effectuant une liaison entre Jakarta et l'île de Sumatra s'est écrasé au large de l'Indonésie avec 188 personnes à son bord. Crash d'un Boeing de Lion Air en Indonésie.